Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous continuons donc Dead Rising. Jour 2, 13h18. On a une petite mission à faire, ça je m'en rappelle. On va voir comment ça va se passer d'ailleurs. Alors l'homme au restaurant, je crois qu'on le fera pas. Enfin l'homme du restaurant. Parce que c'est un peu trop galère, je pense. J'espère que c'est ici, hein, parce que sinon je serais clairement déçu. Ok. Oh, nice. Putain, comment je vais faire? Merde. Hop. Un coup dans les gencives. Ah, je sais pas comment je vais faire pour les faire descendre. Je vais tenter quelque chose. Il mine ton cul aussi. Allez. Allez, go. Bon, ça va, on a pu récupérer deux personnes déjà, c'est plutôt intéressant. Ça, ils sont pas si loin que ça en fait. C'est le principal. C'est pas grave. Et où ils sont? Bon, bah je pourrais pas faire le coup, hein. Parce que ces boulets ont complètement bugué. Laisse-moi tranquille, toi. Okay. Oh là 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 là. Tu vas arrêter de faire ton con, toi. On tente. Non, bon, oh, celle-là, ça sert même à rien de tenter. Ce que je vais faire, c'est me faire courir. Bon, salut, arrête. Tu me fatigues. Oh, tais-toi, toi. Oh. Pleurnichard. Oh, non. Oh, on s'en fout. Avancez, bordel. Oh. Oh, bah là. Ils sont morts. Hein.
Clairement, je peux pas les. Oh, je peux pas les aider. Ouais, je vais peut-être même mourir, moi, avec leur connerie. Olé! Oh là là. Ah tant pis, là je peux vraiment pas vous aider. Hein. Bon bah tant pis. On a le bonus au moins qui nous en rejoint, puis c'est tout. Hein. Je peux pas me permettre de mourir. Hein. Ils suivent jamais, ils sont tout le temps de tension, bah voilà. Ça leur apprendra. On va essayer quelque chose quand même, tout de même. C'est pas pour faire le salaud que je fais ça, mais bon. Oh. Oh my god. Unbeliever in our midst. If we are to achieve salvation, his blood must flow. He must be purged. Spill his blood. The blood of the heretic. Oh, merde. Et eux, ça ne fonctionne pas. Hein. Ce que l'on fait aux zombies, c'est complètement useless comparé. Ils nous ont pas encore suivis. Ah mince. Alors je vais tenter un truc. Bon bah salut, tu es mort. Et après, on va essayer de sauver Jennifer. On va essayer, hein. Ça, je ne vous promets rien. Il faut aussi que je regarde l'heure. Ni qui bouge. Et battre. Nice. Bon, par contre, il est très lent.
Putain, man ton cul maintenant, mec. Go! Nick, j'ai pas le temps. Jennifer, je crois que tu seras dans le beau drap, mais là je ne peux pas. Bon, c'est bon. L'autre, il nous suit. Là, on se casse, hein. De toute façon, on cherche pas à comprendre. On se casse, mec. Tu pleures pas, on se casse. Oh non. Oh mais ni quoi. OK. D'accord. Alors attendez, on va essayer de le débloquer comme ça, on va faire un aller, un retour. Allez Nick. Passe s'il te plaît. Et merde. Oh là là. Nick, run. Yes, j'espère. Prions. Non, pas encore. Punaise. Run, camarade. Run. Nice. Là, c'est bon. Allez, on s'en fout, mec. On fonce. Parce que là, je crois que ça va être la merde. Nice. Tu me suis bien. C'est cool. Au moins, j'en aurais sauvé un des deux. J'ai pas pu faire le scoop du coup. Allez, normalement c'est bon, je fais le K4. Voilà. Allez, on y va. On sauvegarde. Oui. On continue. $40,000 pour l'escorte. J'aurais pu gagner, je pense, à peu près $80,000 pour les deux. Je suis déçu, quoi.
Ouh là là. Alors cette mission, si c'est celle que je pense, encore une fois, c'est de souvenirs. Ça va être embêtant. Donc de la vie, on va en chercher. Juste regarder un truc. Il n'y a plus la caisse avec Jennifer. Je m'en doutais. Eux, c'est des saloperies. Oh, il y en a même là. Ah ouais, quand même. On va redescendre, hein. Le plus vite sera le mieux. Oh là. En fait, vous avez plutôt le choix dans le jeu, quand vous avez ça. C'est soit vous faites les missions, la trame principale, ou soit vous secourez surtout les personnes. Mais vous pouvez pas forcément faire tout le temps les deux. Ça va être assez compliqué sinon. Enfin, pour moi, je pense pas que c'est le meilleur prix de sauver, d'essayer de sauver tout le monde. Ça va être très très compliqué. Faudrait que les personnes nous suivent aussi très rapidement. Ça, c'est une autre histoire. Nice. Au moins, on est tranquille. Là, on va aller voir la femme. Ça fait un moment qu'il y a une personne qui pleure. Je ne sais pas où c'est. Où cela peut-être. Hop. Je t'esquive. Mais parce que les scoops, ça peut être aussi de la survie, hein. De personne. Attends. Je réorganiserai mon inventaire quand je serai dans le magasin, je pense. La petite musique, tranquille. Hein? What the hell? Saloperie! Je ne te fais rien! Allez. Ils sont fous. Pourquoi tu t'en vas là? Elle se barrait pas, elle me faisait une feinte. Voilà, toi tu restes à terre et tu bouges plus maintenant. Talk to you.
Oh. You listen to me, I'm not here to hurt you. I just want to talk. Now, what do you know about all this anyway? Are you a reporter? Let go. I won't run, so let go. You're hurting me. Tu lui as foutu un coup dans les burnes, hein, aussi. How much do you already know? Have you called for help? Hold your horses, babe. I'm the one asking the questions here. What is Santa Cabeza, and how is it connected to all this? The zombies were created by you, not us. That's what Carlito wants you all to know. Who? If you want to interview someone, talk to Carlito. He has all the answers. You're talking about that guy that took pot shots at us with a sniper rifle, aren't you? Take me to him. No. Not now. He's injured. And in no mood to talk to anyone. I'll bring him to you once he's recovered. I can persuade him. I'm his little sister, after all. Why should I trust you to bring him to me? The zombies are a message from Carlito. He wanted people to know. Fine. Go. When will you be back? Tonight at midnight. Wait for us in the store next to the camera shop in the North Plaza. I'm Isabella, by the way. And I promise, I'll come back. Allumeuse, va. Bon, la mission est faite. Ouais, quand même. Intéressant. Alors par contre, je vais passer par où pour revenir et chercher des armes. Parce que là, j'ai pas beaucoup de munitions, je n'ai rien, je ne peux rien faire. Ok, super. Ça recommence. Hop. What the hell? Ok, c'est bon, j'ai vu où c'était le magasin de... d'armes, hein, tout simplement. L'armurerie est là-bas. Alors. Ferme cette porte. Alors, les fusils de précision, j'hésiterais même à en prendre un, quoi. Je voudrais en reprendre un, mais j'ai pas assez en inventaire, parce que là, il faut quand même que j'ai quelque chose pour attaquer. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop.
Venez dans le magasin. Qu'on vous fout des petits pains. Finesse, salaud. Oh, lui, il est tombé comme... vraiment comme une merde. Cette sans zombies, ouais, ça va, ça nous fait déjà quand même pas mal. Allez, hop, on a un peu dégagé la zone. Je vais prendre le vin histoire de nous récupérer un peu de vie. Voilà. Ah, les fusils à pompe, faut vraiment les privilégier. Hein. Dans le jeu, c'est l'arme la plus forte, tout simplement. Alors. C'est assez cool, mais... Non, reprends ça. D'accord, au-dessus des lois, déjà, c'est par là. Donc, on va se diriger vers au-dessus des lois. On va pas faire forcément au-dessus des lois. Parce que, tout simplement, nous n'avons pas forcément l'envie tout de suite de le faire après le K4. On fera donc l'épisode... Après le K4. Pour un prochain épisode. Ce sera sûr. Je préfère le faire après. Là, se mettre bien. On a fait le K4. On pourrait même dire limite l'acte 4. Bon, c'est pas vraiment un acte. Mais voilà, vous, au moins vous êtes tranquille. Là, on va sauvegarder. C'est ce qu'on va faire. On va après refaire des petites missions secondaires comme on a là. Parce que c'est pas vraiment dans la trame principale. Tout cela. Vous êtes gentils, mais... Là, on les entend pleurer. Donc c'est au-dessus, par contre. On va devoir se diriger dans le prochain épisode. Je commence à me faire un peu mes repères. Je vais regarder un truc avant. J'ai peut-être enlevé ça. Salaud. Pas pour aller voir les femmes. Enfin, au-dessus des lois. Parce qu'il y a une femme policière avec une autre, apparemment, femme. Ça, c'est pas pour maintenant. Alors, sérieux, arrêtez, là. Je vais l'utiliser là-bas. Mais ici, ah, quoi que. Non, là-bas. Et je me fais avoir. Super. Je crois que je les ai bien touchés, là. Ouais. Ah, ça, c'est bon. Parfait, c'est ce que je voulais. Je voulais savoir s'il y en avait encore. Eh ben, il y en a encore. Donc, du coup, ça va leur faire mal. Tronçonneuse à une main, je le recommande quand même. Quand vous tuez justement ce fameux clown, vous prenez cette arme et vous êtes tout simplement un malade. Non, c'est là-bas. Il faudrait que je retourne un jour tout près de l'armurerie. Là, on avait. Ah non, c'est le coin des femmes. On avait vu aussi la machette qu'on avait eue grâce à notre Marines. Qu'on a dû tuer parce qu'il était fou. Hein, à cause de sa fille qui était morte. Qui est compréhensible comme j'avais dit. Hein. Donc voilà les amis. On se retrouvera donc pour de nouvelles aventures dans Dead Island. Enfin pas dans Dead Island. J'allais dire une connerie là. Dead Rising. Je vous dis donc à très bientôt. Et salut à tous.